Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, sortie un petit peu originale, je pars faire le tour du lac d'Annecy à pied. Oui, vous avez bien entendu, ça fait entre 40 et 42 km. Je fais ça normalement tous les ans, là ça fait plus de 2 ans que je ne l'ai pas fait. Et donc je pars avec 4 collègues de travail, mais je vais sûrement les laisser filer assez rapidement parce qu'ils ont décidé de le faire en mode sport. Et moi, bah écoutez, comme je vous fais les images, bah écoutez, je peux pas forcément suivre. Donc, en tout cas, je vais vous faire vivre ce tour du lac. Allez, à plus tard. Mais non, il a pas ouvert sa piscine, il a pas mis trop de l'eau. Voilà, je m'en fous. Ça va mieux tout de suite. Voilà, le soleil apparaît. Donc on commence en fait le tour du lac par la voie de droite, enfin par la droite du lac quand on est face au lac. Donc la première commune dans laquelle on va passer, c'est Sévrier. Bon, donc sur cette portion-là, donc entre Sévrier et Saint-Joriot, on est un petit peu obligé de passer sur le bord de la piste cyclable. Donc on est moins près du lac. Voilà, si je vais donner en fait un petit peu les précisions d'où je passe exactement, si jamais il y en a qui veulent faire le tour du lac, ou même qui veulent en faire un morceau, comme ça vous aurez idée de comment vous pouvez le faire. Donc voilà, nous arrivons à Saint-Joriot, là je suis à 5 minutes du centre. Mais en fait, je quitte la piste cyclable pour en fait rejoindre le port de Saint-Joriot. Ce qui fait que ça va nous permettre de longer le lac quasiment de Saint-Joriot à Douin, quasiment tout le long. Donc voilà, nous allons passer par les Roselières et donc nous sommes à 45 minutes de Douin. Donc eh bien, écoutez, là on va longer le lac quasiment jusqu'à Douin. Donc voilà, à partir de ce moment, le bord du lac est privé, donc on ne peut pas le longer. Donc on rejoint la route qui, vous voyez, est passagère. Donc là, il y en a à peu près pour 15 minutes pour aller jusqu'à Douin. Donc on va arriver dans le centre de Douin, je vous ferai 3 petites images.
Et après, on va récupérer la piste cyclable qui passe sous la montagne, la petite montagne qu'on voit juste en face. Donc là, en fait, à Douin, il y a un château qui est magnifique. Il y a une avancée, il est très très beau, mais c'est un château privé. Donc il ne se visite pas. Et donc il est dominé par donc les Dents de l'Enfant, le Lanfonnet et donc la Tournette, mais qu'on voit encore pas très bien pour l'instant. Donc voilà, on est dans le centre de Douin. Le château est là. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait le lac d'Annecy est un peu en deux parties. Il y a le grand lac, donc là qu'on va quitter. Et donc bah, vous allez voir, on va passer sur la partie du petit lac, donc qui est plus petit, comme son nom l'indique. Donc vous voyez ici, on est à 1h05 de la Tuile, donc c'est là où je vais. Et donc il y a plein de départs de balade. Donc là il y a un chemin de croix et qui monte au Taillefer. C'est une balade que j'ai prévu de vous faire découvrir et que je vais découvrir d'ailleurs en même temps que vous cet été. Ou là, au printemps, je vais voir. Dès qu'il me sera possible de la faire. Donc on va passer par le petit tunnel sur la piste cyclable. Donc voilà, nous sommes passés sur la deuxième partie du lac, le petit lac. Et donc bah voilà, la piste cyclable domine le lac et il y a la route en bas. Et c'est vrai qu'on peut vraiment pas l'emprunter parce qu'elle est vraiment très passagère et il n'y a pas trop de place pour des piétons. Donc on est bien mieux ici. Et voilà, on a une jolie locomotive à 2 km de la Tuile. Bah non, on va continuer à pied. Hein. Pas prévu qu'on prenne le train. Voilà, donc si vous montez par la route là, vous allez au centre de la Tuile. Donc là, on quitte la piste cyclable. Et donc, je vais me diriger, je vais traverser la petite nationale là, et je vais passer de l'autre côté, puisqu'on arrive au bout du lac. Et donc, nous allons, je vais, parce que là, vous ne pourrez pas manger à ma place. Je vais grignoter un petit œuf dur, boire un coup. Je vais m'arrêter juste 10 minutes, je pense, sur la plage de Doussard. Et après, bah, je remonte le lac dans l'autre sens. Voilà, donc on retrouve les petites cabanes. Et donc, il y a des bateaux qui font le tour du lac, bien évidemment, de façon touristique. Mais il y a aussi une sorte de navette qui peut vous récupérer à certaines heures et vous emmener à Annecy plutôt que de prendre la route. Donc là, on traverse la Roselière. Je vais traverser un petit pont là sympa que je vais vous filmer. Et puis, je repars donc sur l'autre rive du lac, rejoindre dans un premier temps Angon, après Talloire, Menton, Perrier du Lac et Annecy. Allez, c'est reparti! C'est pas la portion la plus sympa, hein, je vous cache pas. Et donc là, bah, j'ai déjà fait depuis ce matin environ 21 km. Donc ça veut dire que j'en ai à peu près autant dans l'autre sens. Je vous dirai ça quand je serai arrivée. Et je suis partie vers 7h15, je crois, 7h30. Donc voilà, on commence à remonter sur le bord du lac. Donc on est toujours sur la portion du petit lac. Jusqu'à Talloire. Je vous dirai ça. Et donc à Talloire, je vais quitter la route et la piste cyclable pour monter dans le Roc de Cher, où on aura un joli point de vue d'un belvédère.
Là, vous avez l'auberge du Perbise. Là, donc, on arrive dans le petit port de Talloire. Donc là-bas, vous avez le débarcadère de Talloire. Donc le roc de chair dans lequel on va monter là tout de suite. On va longer ici. Et donc on est à 1h15 de Menton-Saint-Bernard. Donc ça, c'est le libellule qu'on voyait ce matin, qui était amarré à Annecy quand on est parti. Donc vous voyez, il fait là, on est sur la jonction entre le Grand Lac et le Petit Lac, avec toujours le château de Douin là, à l'angle. Et donc le libellule tourne en fait au niveau du Grand Lac, il ne va pas sur le Petit Lac. Allez, on continue et au bout, on va rejoindre un autre sentier. Là, voilà, il y a une jolie petite crique. Et donc bah là, il faut qu'on monte jusqu'au belvédère. Donc là, je vais peut-être pas filmer parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais il y a une côte assez raide. Et bien, ça monte bien, les amis. Mais quel bonheur de retrouver le sentier là. Vous voyez, quand on se retourne, on a la baie de Talloire avec l'abbaye. On a le Lanfonnet que j'avais fait cet été pour mes 50 ans. J'avais fait une vidéo. Et la Tournette où j'irai cette année, je vous emmènerai. Promis. Donc voilà, on est à 625 mètres d'altitude et donc on va aller à Menton-Saint-Bernard par la patte d'oie. Je vous avoue qu'il y a plein de sentiers là dans le roc de chair. Et du coup, à chaque fois, on passe un peu par des endroits différents. Donc sur la droite, en fait, on passe à côté du golfe de Talloire. On retrouve le lac à gauche. Vous voyez, ça nous évite tout le bord de route. Par contre, bah, voilà, ça monte un peu. Et sincèrement, je crois que je suis encore passée par un autre sentier que les autres fois. Il y a tellement de sentiers dans ce roc de chair que franchement, je crois que vous passez jamais au même endroit. Bon, je voulais en profiter pour vous dire, je me mets de côté, je suis désolée parce que sinon vous avez tout le contre-jour. Donc là, ce tour du lac, je pense que c'est la 10 ou 11e fois que je le fais. Alors avant, je le faisais tous les ans, là ça faisait plus de 3 ans, je crois, que je ne l'avais pas fait. Et je vous avoue que ce sera la dernière, parce que je voulais le faire pour vous, en fait, pour vous faire découvrir un petit peu le tour du lac. Ça, si vous venez en vacances, vous verrez les endroits qui sont sympas, où il y a un petit peu moins de monde, etc. Ça vous donnera une idée. Mais voilà, moi, enfin, vous le savez, je préfère les sentiers, la montagne.
Donc voilà, ce tour du lac, c'est chouette à faire, mais il y a un peu trop de bitume à mon goût. Et voilà, le tour du lac d'Annecy a été quand même ultra urbanisé. C'est dommage. Le lac du Bourget, pour ça, est un petit peu plus sauvage. J'ai encore jamais fait le tour du lac du Bourget. Il est plus long. Et je suis pas sûre qu'à pied, ce soit totalement faisable. Il faudra que je regarde. Mais en tout cas, voilà, je l'ai fait une dernière fois pour vous le faire découvrir. Mais voilà, maintenant, mes chemins seront plutôt montagne, enfin comme toujours d'ailleurs, mais ce sera montagne, sentier et camino, évidemment. J'ai pas besoin de vous le dire. Allez, je continue ma descente vers Menton-Saint-Bernard. Dans 5-10 minutes, je suis à Menton. Et donc en face, vous avez le château de Menton. Alors si vous venez dans le coin, c'est un château qu'il faut absolument aller visiter. Il est vraiment magnifique. Donc là, comme vous l'aurez compris, on est repassé sur le Grand Lac. Annecy est au fond là-bas. Et donc là, c'est le Mont Verrier. Il y a des étoiles, les amis, par terre. Est-ce que vous croyez que le chemin de Compostelle n'est pas long? Bon, j'ai trouvé un petit coin d'ombre. Je vous avoue que c'est pas désagréable. Alors, je viens de regarder. Je suis à déjà 35 km. Alors, je vous avoue que sans le poids du sac, c'est quand même plus simple. J'ai pas mes 8 kilos dans ce dos. Mais bon, là, ça commence à tirer, je vous cache pas. On continue à longer le lac, mais en le surplombant. Et donc, bah, voyez, on suit cette route où il y a des maisons à droite et à gauche, des maisons qui donnent sur le lac. Bon, et bien écoutez, je quitte Verrier. J'ai encore, je pense, 2 petits kilomètres pour arriver à Annecy-Lieu. Vous voyez, je suis déjà à 38,3 km. Je vais faire ma petite conclusion ici. Donc vous voyez, bon, la fin, là, j'ai pas trop filmé parce que c'est que du bitume, il y a énormément de monde. Donc voilà, je trouve pas qu'il y a trop d'intérêt de vous montrer cette partie-là. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que là, en fait, ce tour du lac peut se faire par les montagnes. Donc ça se fait sur 3 jours, je crois. En fait, vous faites le tour du lac, mais par les montagnes. Donc toutes les montagnes que je vous ai montrées. Et donc il y a des refuges où vous pouvez dormir. Donc j'avoue que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un petit moment. On verra si c'est cette année, si c'est l'année prochaine, mais pourquoi pas. Je pense que ça doit être très très sympa. Donc bah, écoutez, je vais donner rendez-vous à Fabrice vers 17h à Annecy. Donc là j'ai encore une bonne heure de marche. Il va venir me chercher. Je vais être contente de le retrouver et de me reposer parce que j'avoue que là je n'en peux plus, il fait chaud. Allez, j'espère que cette petite visite du tour du lac vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas encore ce que je fais dans les jours qui viennent. Il y aura les Canaries au mois de mai, c'est sûr. Entre-temps, il y aura peut-être une petite balade. Je ne sais pas encore. C'est pas encore défini. Allez, belle semaine et bon dimanche, parce que je vais essayer de poster ça ce soir ou dimanche matin. À très bientôt !